Bonjour à toutes et bienvenue dans mon live de cet après-midi, dans mon live créatif, où nous allons réaliser ensemble une petite carte que j'ai nommée avec focus sur un sujet. Donc je vais vous expliquer après ce qu'il en est. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Prisca Benedetti, je suis auto-entrepreneuse et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Donc j'habite en Savoie, en Maurienne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Alban-des-Urtières. Donc je vous propose régulièrement des tutos en live comme aujourd'hui ou des vidéos que j'enregistre pour vous démontrer ou vous apprendre des petites techniques de scrapbooking et vous aider à créer vous-même de la carterie. Ou alors des albums, parfois je fais aussi, ou nous faisons ensemble des mini-albums. Donc j'ai une boutique en ligne où je vends mes créations, donc mes cartes directement. Elle se situe, la boutique, donc sur ma page Facebook qui s'appelle également Des cartes pour le dire. J'ai un site web qui s'appelle descartespourledire.com. Je vends donc les produits Stampin' Up. Et je peux également organiser un atelier chez vous si vous habitez en Savoie, donc en Maurienne, si vous voulez que je vienne chez vous pour vous faire des petites représentations en direct. Donc on crée une carte ensemble et puis tout doucement et puis on passe une bonne après-midi. Donc surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ici ou sur mon adresse mail. Prisca Benedetti laposte.net. Voilà, donc on va commencer donc cette petite ce tutoriel. Alors je dis bonjour à toutes celles qui arrivent, donc je fais un gros coucou collectif et je vais vous montrer donc ce qu'on va faire cet après-midi. Donc je voulais vous dire également, ne vous inquiétez pas, ce live restera sur ma page et sur l'événement, je ne l'enlèverai pas, donc vous pourrez très bien le faire un jour où vous aurez plus de temps ou par la suite, sans aucun souci. Alors, ce que j'appelle focus sur un sujet, en fait, c'est réaliser une carte un peu en monochrome, où ici, vous voyez, par exemple, les fleurs sont assez neutres. Et j'ai voulu faire le focus sur cet enfant qui est sur les épaules de son papa. Et lui seul, je l'ai mis en couleur. Voilà, bonjour à Marcel, bonjour à Catherine. Et puis, y a pas de quoi, hein. Moi ça me fait plaisir. Et puis, on passe un petit moment ensemble. Donc, je suis contente aussi. Alors, vous voyez, donc ici, j'ai fait le focus sur l'enfant que j'ai lui seul mis en couleur, avec une couleur assez jaune, pour que l'œil se porte sur l'enfant. Bon, là, c'était une carte que j'avais réalisée au début du confinement. Donc, elle a déjà un an, cette carte, où j'avais fait moi-même l'étiquette. Donc les étiquettes, si vous n'avez pas les tamponnages, vous pouvez très bien les faire avec votre imprimante. Celle-ci, par exemple, je l'avais faite avec mon imprimante et j'avais simplement écrit « Prenez soin de vous », puis j'imprime sur un petit carton. Et voilà, c'était pour un moment, pour me commémorer un peu ce moment difficile. Bon, on s'en souviendra. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez ce que je veux dire par « focus sur un élément ». Alors ici, j'ai refait avec un nouveau set de tampons qui sortira chez Stampin' Up le 3 août, en même temps que notre nouveau catalogue. Et donc en avant-première, voilà, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Ours Polaire. Donc ici, j'ai fait la même chose, vous voyez, le focus, je l'ai fait sur l'ours. Par contre, on le voit un peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu faire un ours d'un ton assez vif, donc j'ai mis un peu de bleu ou un peu de gris. Mais voilà, mon ours est bien focus. Et ici, vous voyez, je découpe toujours un rond autour et je le relève avec un 3D mousse pour vraiment que l'œil se porte sur mon ours. Donc vous voyez, ce set de tampons, c'est celui-ci, il s'appelle Ours Polaire. Donc vous le découvrirez dans le nouveau catalogue où on pourra faire de jolies cartes. Avec la banquise et des ours, avec des jolis mots. Voilà, donc ça, on verra plus tard. Donc aujourd'hui, je vais faire une troisième version de cette carte. Et je vais faire, moi, aujourd'hui, avec ce set de tampons. Et je vais choisir de mettre en focus
une maison. Une maison d'oiseaux. Donc, vous, pour réaliser cette carte, vous regardez. Donc, Annie me dit qu'elle est dans les arbres. Bah oui, tu regarderas plus tard, Annie. C'est pas grave. Elle pique-nique, Annie. Eh ben, bon pique-nique. Profites-en bien. Alors, donc, je voulais vous dire, vous, quand vous allez choisir votre tamponnage, vous allez regarder dans vos tiroirs ce que vous avez et vous allez choisir de quelque chose qui va rentrer dans un petit rond. Voilà, alors si vous avez un petit die comme moi j'ai ou une perforatrice ronde, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont, ou pourquoi pas carré, hein, ou un cœur, pourquoi pas. Ou si vous avez un tamponnage de cœur ou une perfo cœur. Voilà, mais faut pas que ce soit trop gros. Bon, vous essayez de choisir quelque chose qui rentre dans un rond ou un cœur ou un petit carré. Donc, en focus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un petit papillon, une fleur, voilà. Vous essayez dans votre tête de vous dire, ben voilà, je vais faire un paysage, par exemple, de mer, et je vais mettre en focus un bateau. Ou je vais faire un paysage comme moi ici avec un arbre et un oiseau, je vais mettre en focus la cage en oiseau, comme ici, je me suis dit, avec ce papa et son enfant. Je vais mettre en focus l'enfant. Voyez, il faut que vous choisissiez un tampon où que vous allez mettre en lumière, entre guillemets, ou comme moi ici avec mon ours. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais essayer de vous en faire deux. Donc un avec la cage d'oiseau et un autre avec des décomères, avec des anciens tamponnages que j'ai là, que j'ai retrouvés dans mes tiroirs aussi. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc ici, je vous rappelle que donc le catalogue va sortir le 3 août. Donc je l'envoie gratuitement aux personnes qui ont déjà commandé chez moi dans les 6 mois. Ou sinon, il sera en PDF sur ma page Facebook des cartes pour le dire si vous voulez le feuilleter. Alors on y va donc pour les mensurations, je papote pas plus. Aujourd'hui je vais choisir du rouge et du blanc. Donc voilà. Donc le rouge c'est pour faire ce qu'on appelle communément le fond de carte. Donc ici mon fond de carte j'avais joué dans les neutres, donc je l'avais fait blanc. J'avais juste mis le deuxième matage brune dune. Ici le fond comme c'était avec un ours polaire, j'avais choisi un ton bleu glacé un peu et bleu et vert. Voilà, j'avais fait ici mes tamponnages sur du blanc. Aujourd'hui, je vais choisir du rouge, donc je vais faire le fond de carte en rouge et je vais faire mes tamponnages en blanc. Donc, j'ai pas pris de couleur intermédiaire, mais je vais prendre du brune dune aussi. C'est bien aussi d'avoir un beige ou un gris ou un gris, peut-être aussi. En intermédiaire pour focuser un peu les couleurs pour pas que ce soit trop. Voilà, je vais avoir mon fond comme ça. Je vais avoir du gris en matage et du blanc en tamponnage. Voilà, donc vous choisissez trois couleurs comme ça, une pour le fond, une pour le matage, et de toute façon, pour tamponner, ce sera obligatoirement du blanc. Donc une fois que vous aurez choisi vos trois couleurs, vous allez prendre la couleur avec laquelle vous allez vouloir faire le fond, quoi, le corps de la carte. Donc je vais tout pousser, je vais vous donner les dimensions. Donc vous allez prendre un morceau de 24 sur 12 cm. Donc on va prendre notre coupe-papier et je vais l'ouvrir. Pour aller jusqu'au 24, je vais me pousser un peu comme ça. Voilà, alors 24 cm. Voilà, ici sur 12. Donc, je vais vous montrer le morceau après. Ça, je le range de suite. Alors, ça donne ça, 24 sur 12. Ensuite, vous allez le plier ici à 12 cm, ce qui va vous faire une carte au carré. Voilà, je plie comme ça. Donc vous allez avoir le choix de la faire ouvrir soit comme ceci, soit comme ceci. Ben moi, celle-ci, je vais la faire ouvrir comme ceci, vers le haut. Celle avec les ours, j'avais choisi comme ça. Donc je fais un petit coucou à Laurie qui vient d'arriver aussi. Voilà, donc on a donc une carte, un corps de carte de 12 sur 12.
Ensuite, pour mater au-dessus ici, nous allons prendre un morceau de 11,4 sur 11,4. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi du gris. Donc je me place à 11,4. Et encore à 11,4 pour obtenir un carré. Donc ici, ça va pouvoir faire mon matage sur mon rouge comme ceci. Ensuite, je vais prendre le papier blanc, donc le papier sur lequel je vais créer et faire mes tamponnages, de 11 sur 11. Voilà, de 11 cm sur 11. Voilà. Je vais m'en faire tout de suite un deuxième, comme ça je vais pouvoir vous montrer la deuxième version avec le bateau. Comme ça, aujourd'hui, on va se faire une version vacances et une version nature. Voilà, vous allez avoir plusieurs idées en une vidéo. C'est pas beau, ça? Voilà, donc comme ça, j'ai mon petit carré de prêt pour tout à l'heure. Je le mets sur le côté. Donc, vous allez prendre votre carré blanc de 11 sur 11. Vous allez choisir un entourage, quelque chose pour pouvoir allez venir mettre votre image focus. Donc moi ici, je vais prendre ces branches ici, cette branche sur mon set de tampons qui s'appelle Garden Bird Houses, qui se trouve donc sur notre catalogue annuel. Ici, je vais quand même vous montrer pour les personnes intéressées par les produits Stampin' Up. Sur le catalogue annuel, vous ouvrez à la page 107 et vous découvrez donc ici notre set de tampons avec lequel je vais me servir aujourd'hui, qui s'appelle Garden Bird Houses, avec la référence 15,50,90 pour 22 euros. Donc vous avez 19 tamponnages dans votre petite boîte. Donc voilà, c'est toujours dans les boîtes comme ceci, donc c'est très pratique, on a toujours tout sous la main. Voilà, donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé, il y a toujours le lien de ma boutique aussi sur ma page. Donc moi je vais prendre ma petite branche. Alors pour faire votre paysage qui s'entoure comme ça autour de votre focus, vous n'allez pas prendre des tons très criards. Vous voyez, moi à chaque fois j'ai pris des tons qui vocifèrent entre le gris, le beige. Voilà, il faut que vos tons de paysage autour du focus soient neutres, pour que que l'œil se porte bien sur l'élément que vous avez voulu mettre en valeur. Donc ici, moi, je vais prendre du brune dune, voilà, qui est un beige un peu clair. Je vais venir tamponner sur ma feuille, enfin, sur mon papier blanc. Donc vous réfléchissez bien aussi votre focus où vous allez le mettre, qui figure bien, pas forcément au centre, mais qui puisse être mis un peu en scène. Donc je prends une petite mousse qui va m'aider à ce que mon tamponnage soit plus joli. Et je vais venir comme ceci avec ma branche. Je vais la faire descendre un petit peu. Je vais la mettre à peu près ici. Hop. Donc voilà, c'en est fait pour ma branche. Voilà, c'en est fait aussi pour une petite tache ici. Alors pourquoi? Parce que j'avais de l'encre et je ne l'ai pas essuyé. Bon. Donc je vais le retourner de l'autre côté et je vais recommencer tant qu'à faire quand on se rend compte tout de suite. Cette fois-ci, je vais bien essuyer le bord de mon plexi. J'essaie de ne pas m'en mettre plein les doigts et j'y go. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier tamponnage. Ensuite, je vais me faire mon petit paysage. Donc ici, j'avais fait ma petite banquise. Ici, j'avais fait une petite déco avec mes fleurs. Ben là, je vais faire pareil. Dans ce set de tampons, vous avez des petites fleurs. Donc je vais décorer ici vers le bas à gauche et vers le bas à droite avec des fleurs sur le même ton que ma branche. Voilà, pour que tout soit bien pour le moment, quelque chose d'assez neutre.
Donc je tamponne mes fleurs. Voilà, là j'ai décidé de les faire en entier, mes deux petites fleurs. Ici j'ai coupé un peu. Voilà, hein, ça, après c'est de l'art. Hein. Voilà, donc j'ai encore bonjour à tout le monde. Hein. Je vois qu'il y a plein des gens qui arrivent au fur et à mesure. Je vous dis coucou à tout le monde. Merci d'être venu. Ça me fait bien plaisir. Et puis, voilà. C'est super. Alors là, j'ai fait ma feuille. J'ai fait mes fleurs. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre en focus? Donc, je vais mettre en focus une petite maison d'arbres ici. Donc, ça veut dire... Oui, c'est vrai que c'est des artistes. On est des artistes. On va se dire ça. De toute façon, ça fait du bien de se jeter des fleurs. Donc, moi, j'ai envie de mettre cette petite maison en focus. Ça veut dire que si je la mets en focus, ça veut dire que je vais la colorier cette fois-ci. Donc ici, je vais la mettre, je vais changer de couleur déjà, pour que ça change de ma couleur un peu de paysage. Donc cette fois-ci, je vais la tamponner en gris, un gris foncé. Voilà, pour que le regard puisse se porter sur quelque chose d'un peu plus foncé, qui est plus coloré, qui est d'une autre couleur, pour le mettre en valeur. Donc je vais venir ici le tamponner, ici là vers le bas. Donc je vais en remettre un peu parce que... Donc il faut qu'elle soit en entière. Attention, attention, attention. Hop. Voilà, je la mets ici. Donc maintenant je vais mettre, tamponner la petite tige. On a une petite tige aussi pour... comme ceci, pour faire comme si c'est la petite tige qui accroche la maison. Il est vraiment sympa ce petit... ce tamponnage. J'ai déjà fait pas mal de petits projets avec. Voilà, donc hop. Voilà, comme ça j'ai la petite tige, comme si que ma maison elle avait été accrochée. Donc, elle, pour ma part, la petite maison, et pour la vôtre, je ne sais pas quoi, hein, un papillon, une fleur, quelque chose qui fait partie de votre création. Oui, Marie, tu pourras regarder en replay. Le replay, je vais le laisser, t'inquiète pas. Donc, voilà, l'objet que vous avez décidé de mettre en valeur, bah, lui, on va le colorier. Donc, je vais colorier, bah, là, j'ai pris directement des crayons de couleur aquarellable. Donc, que vous avez certainement tous dans vos placards, où vous pouvez prendre ce que vous voulez. Tout aussi bien, vous pouvez prendre des feutres, des stamping blend, etc. pour colorier. Donc moi je vais mettre du rouge. Donc là par contre sur cet élément, étant donné que c'est mon focus, lui là je vais le coloriser pour qu'il sorte du lot, qu'on puisse le voir plus. Et je vais mettre en orange la petite maison. Quand j'aurai terminé, c'est ici que je vais la découper avec mon rond. Je vais carrément mettre mon die rond sur ma petite maison et je vais la découper. Alors soit je vais dire avec une perfo, mais il faut que la perfo vienne bien sur votre rond, mais il est vrai que le petit die, le petit poinçon rond ou carré ou le petit cœur, hein, ce que vous voulez en poissonnage, c'est plus facile à utiliser puisque le dessin est déjà sur le papier. Donc voilà, là j'ai fait mon coloriage. Donc comme c'est des aquarellables, je peux mettre un petit peu d'eau pour dire que ce soit plus joli, que la couleur ressorte un peu mieux. Là pour mon orange et là pour mon rouge. Une fois qu'on a fait ça, on prend donc le rond. Donc pour ma part, c'est le rond. Je vais venir carrément le placer sur mon papier pour qu'il vienne découper ma petite maison d'oiseau. Donc là, pour que ça tienne bien, vous voyez, moi, il a déjà eu un coup de Trafalgar dans mon rond. Là, je ne sais pas ce qu'il a eu. Il est de guingois. Ah, bonjour Nathalie, qui est nouvelle. Bah écoute, je te dis bonjour et bienvenue ici sur notre live.
Bon, il est déjà commencé, mais t'inquiète pas, le replay va rester, donc tu pourras y revenir et venir le faire quand tu auras plus de temps. Un jour où il va pleuvoir ou un jour où tu auras plus de temps, donc t'inquiète pas. Voilà, donc ici, je vais venir carrément. Ça coupe. Ah, ça, c'est, bah oui, ça m'étonne pas, c'est parce qu'il va y avoir de l'orage ici. Donc j'espère que je vais aller jusqu'au bout. C'est dommage. C'est toujours comme ça, de toute façon. Quand je fais mes lives, il y a toujours de l'orage. Donc ici, je vais venir découper à la Big Shot carrément mon papier. Voilà. Donc je vais avoir ma petite maison qui va être dans un rond. Alors vous, ce sera peut-être votre petit papillon ou tutti quanti. Voilà, donc je vais enlever le rond. Tout doucement, j'enlève mon washi et j'ai le rond. Voilà. Donc je vais finir de décorer un peu. Donc je vais me mettre un petit oiseau de toutes les couleurs, comme dit la chanson. Donc je vais prendre du gris clair. Parce que je voudrais que l'oiseau regarde la maison et qu'il ait envie d'y aller, que voilà, ça fasse mon petit focus. En fait, c'est le focus dans la tête du petit oiseau. Donc ici, je vais faire le petit oiseau qui voit la maison. Donc, je vais faire à peu près ici. Donc oui, je ne vais pas le colorier trop non plus, hein. Je vais. Parce que lui n'est pas en focus. C'est la maison. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un vœu. Donc bien sûr, il faut toujours mettre un petit vœu. Donc ici, je vais prendre du gris foncé et je vais mettre le petit mot je t'adore. Il y a tellement de gens qu'on adore, à qui on ferait plaisir avec cette petite carte. Donc voilà le nom de ma petite entreprise, c'est des cartes pour le dire. Donc moi je pense que on dit plus facilement les choses sur une carte ou sur un mot qu'en direct. Enfin moi c'est mon cas. Donc avec des cartes pour le dire, on dit aux gens qu'on les adore. Donc voilà, j'ai mis je t'adore. Ensuite, quand on a fait tout ça, on va venir prendre son corps de carte qu'on a préparé tout à l'heure, donc qui est là, celui-ci. Voilà, ben moi il ne pleut pas encore, il n'y a pas encore d'orage, mais c'est vrai que il y a du vent, alors à mon avis, ça va le faire. Donc je vais mettre de la colle sur celui-ci, là, sur le, pour ma part, le gris. Voilà. Donc vous utilisez une colle que vous avez. Moi d'habitude je ne prends pas celle-ci, je prends la verte de Stampin'Up, mais je n'en ai plus. Donc, quand on n'en a plus, on en prend une autre. Voilà, donc lui je l'enlève. Et on vient le coller ici, donc bien dans le milieu. Comme ceci. Un petit coup de chiffon. Voilà. Ensuite, on ne va pas venir coller celui-ci tout de suite parce que ici en haut, on va mettre un ruban. Donc, je vais vous montrer. Moi, ici, le ruban, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, ici, je l'avais mis ici au ras de mes fleurs. Comme si ça faisait comme le bas du jardin. Donc, je l'avais mis ici. Voilà, vous voyez, ça dépend des cartes en fait. Ensuite, ici, moi, je l'avais mis sur le côté. Pourquoi? Parce que j'avais un grand vœu, donc il me fallait de la place pour le voir. Donc, j'avais mis le ruban ici sur le côté. Aujourd'hui, pour ne pas faire comme d'hab, je vais le mettre en haut. Donc, quand vous mettez un nœud, n'importe lequel, donc ici, je vais faire cette façon-là où il est vraiment bien collé. J'ai un nœud assez large. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un nœud blanc aussi qu'on a dans le catalogue annuel, qui était en lot avec un autre nœud Vichy. Et je viens carrément mettre mon double face, hop, là où je veux que ce soit mis. Je vais prendre un petit ciseau, si je le trouve, il est là. Hop. Voilà.
Je replie. Donc ça, c'est mon envers de tout à l'heure que je m'étais trompé, mais on s'en fiche, c'est l'envers. Hop. Et je vais venir donc mettre mon ruban, le coller directement dessus. Je vais venir faire ça. Là-dessus. Alors surtout, perdez pas votre focus, hein, parce que si pour commencer, je ne vous raconte pas. Voilà. Et je vais venir carrément coller mon ruban sur mon double face. Je vais le découper ici. Je vais le replier. Comme je suis malignée, hein, j'ai fait sur du papier comme ça n'a pas collé. Et voilà, ça c'est l'envers. Hein. Donc on s'en fiche. Donc voilà, je peux même le recouper un peu pour que ça ne gêne pas avec ma colle. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle pour coller Totor. Hop. Donc, je peux même en mettre un peu sur mes rubans. Hein. Voilà, j'en mets bien autour de mon rond. Donc, vous, ce sera peut-être un petit cœur ou un petit carré. Hein. Bon après-midi, Nathalie. À bientôt. Il est où mon... Ah, elle est là. Donc, je viens la coller. Tant qu'à faire sur l'endroit, comme ça, je vérifie bien le sens et je viens la coller. Voilà. Donc là, je vais venir appuyer avec mon chiffon. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon fameux focus en sorte ma petite maison d'oiseau. Je vais la retourner et je vais mettre une petite mousse 3D derrière. Une petite mousse, ça c'est de la mousse 3D qu'on découpe, qu'on a aussi dans le catalogue annuel, qui est bien pratique, comme ça on découpe comme on veut. Finalement, je fais un peu la feignante, je ne me sers plus que de ça. Voilà. Et je vais venir mettre ma maison. Donc il va se trouver un peu surélevé et qui va être la seule colorier du lot, enfin du reste. Ici, je vais venir ajouter un petit nœud parce qu'il manque quand même quelque chose. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, reprendre le même ruban et puis je vais venir faire des oreilles de lapin comme à l'école. Hop, et je vais venir faire mon nœud tout simplement. Enfin, tout simplement, ça, c'est question de parler hein, parce qu'il y a des jours, ça ne veut pas faire. On ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hop. Voilà, je vais un peu retirer. Voilà, comme aujourd'hui par exemple. Pop, pop, pop. C'est lui qui ne veut pas. Voilà, il est un peu trop long. Voilà, alors après quand je veux qu'il soit bien rond, je prends un petit crayon et puis je l'arrondis un petit peu là. Voilà, et puis là il va juste suffire que je le colle ici sur ma carte. Donc soit vous prenez un petit point de colle, soit vous prenez directement la colle. Alors moi je vais vous dire, moi bien souvent je prends la colle. Voilà, je prends la colle et je fais carrément un petit point de colle. Moi, je vais vous dire, ça tient mieux. Parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer, puisque je vends des cartes hein, aux gens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vends mes projets dans ma boutique en ligne. Et des fois, quand on les envoie à la poste, avec les changements de température et tout ça, ben, les gens, ils reçoivent et c'est décollé. Donc, il faut bien que ça colle. Ça, c'est important. Sinon, ça ne fait pas sérieux, quoi. Donc maintenant je mets de la colle, un point de colle, je prends une petite pince comme ça que j'ai eu chez Action à 3 francs 6 ou 50. Et je viens, celles-ci elles sont en ferraille, donc elles voilà. Et je viens comme ça et j'attends un petit moment. Et au moins là vous êtes sûr que votre petit nœud il va tenir. C'est pas que je suis contre les points de colle, mais quand il s'agit comme ça de petits nœuds chichi pompon, moi je trouve que c'est mieux. Et après je recoupe en biais comme des pros. Je trouve que ça tient mieux. Donc, vous voyez ici, j'ai mis donc en focus ma maison. Le petit oiseau, je le trouve quand même un petit peu grisouille. Donc, je vais aller lui mettre
un petit peu de jaune sur le coin du bec là, parce qu'il a l'air tout malheureux le pauvre. C'est pitié, hein. Donc je vais lui mettre un peu de jaune. Je sais qu'il fallait pas trop mettre de couleur, mais quitte à mettre un oiseau tout gris, bon, ça le fait pas. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voyez, donc j'ai voulu faire mon focus donc sur la petite maison, donc comme si que le petit oiseau voyait la maison, il voyait que ça. La maison, il fait focus là-dessus. Donc, bien sûr, sur le reste, on reste neutre. Comme j'avais fait ici avec l'ours, qui allait vers le coin de la banquise, tout est neutre. C'est vrai que ça se voit moins avec l'ours, parce qu'un ours polaire, on ne peut pas le faire orange. Voilà, et ici, sur le petit garçon. Si vous voulez, ensemble, on va se faire un petit truc vite fait, côté un peu mer, puisque c'est le moment, là, c'est le moment des vacances. On va se faire un petit focus mer. Bon, par exemple, je suis chez vous, hein, j'ai dans mes tiroirs des petites bricoles et je dis, ah, je vais me faire un petit truc de mer. Donc, j'y vais ressortir les tamponnages. Donc, ça, c'est des tamponnages qu'on avait chez Stampin' Up. Celui-ci n'y est plus. Hein, mais bon, qu'est-ce que je m'en suis servi? Alors, lui, je vous raconte pas. D'ailleurs, il est tout haut, tout. Ça se voit. Celui-là, il est encore au catalogue. Donc, je vais me dire, je vais me faire un petit truc mer. Donc, je vais prendre mon petit carton que je me suis mis sur le côté. Et on va jouer encore au focus. Alors, je me dis, allez, mon paysage. Donc, ici, si vous êtes comme moi, si vous avez des phares, bah, du coup, je vais mettre un phare, par exemple. Donc, je vais prendre mon phare. Donc, vous pensez bien à votre focus où vous allez le mettre. Mais pour moi, le focus, ce ne sera pas le phare. Ce sera un bateau, un des bateaux de ce tamponnage, le petit ici. Comme je vous ai dit, il faut choisir quelque chose de petit pour que le rond rentre bien dedans. Donc moi, je vais prendre ce petit bateau ici. Donc, à partir du moment où je sais que ce n'est pas mon focus, eh ben, le phare, je vais le faire en gris, en un ton neutre, pour que l'œil ne regarde pas en premier mon phare. Donc, bah, je vais carrément prendre un gris pâle. Bon, celle-ci, j'ai pas d'idée. Hein. C'est comme ça en direct live. Hein. Je reprends ma petite mousse. Prenez bien toujours quelque chose en dessous. C'est bien plus pratique. Ça tamponne mieux, en fait. Donc, lui, je vais le mettre sur le devant, à peu près. Comme ça. Comme si, en premier plan, j'avais mon phare gris. Voilà. Je me suis encore collé des taches à côté. Non, mais c'est pénible. Alors après, je vais me prendre bah, ce petit phare. Là, je vais faire un petit peu de terre là devant. Donc, je vais prendre ça. Ça, c'est des petits gravillons. Donc lui, je m'en suis vraiment beaucoup servi. Hein. J'en ai fait des cartes avec. Hein. D'ailleurs, on a pas mal dans ma boutique en ligne encore. Parce que j'en avais fait pas mal les autres années. Malheureusement, il n'est plus au catalogue, mais bon, je m'en fiche. Ça ne nous empêche pas de travailler avec les anciens tampons qu'on a aimés, qui sont dans notre cœur et qui y restent. Voilà, cette fois-ci, vous avez vu, j'enlève l'encre. Donc ici, je fais un petit peu de... Je vais mettre un petit peu de gravillon. Voilà, donc un peu comme ça. Donc ça, c'est toujours pas mon focus. Hein. Vous avez remarqué que mes tons sont toujours neutres. Ensuite, je vais faire un peu la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, comme dit la chanson. Et là, je vais prendre un bleu. Bon, j'ai quand même le droit de prendre du bleu parce que bon, je vais quand même pas faire une mer grise. Moi, je suis du Nord. Je sais bien que la mer est grise quand même. Ah oui, les anciennes libellules. Ah ouais, elles sont belles aussi. Ben, on en a fait des nouvelles. Mais de toute façon, quand on a aimé un tampon, on va le rechercher. Hein, ça, c'est sûr. Hein. On ne l'oublie pas. Donc, alors, je vais faire un peu de mer. Un peu d'horizon comme ça. Un peu là. Un peu là. Un peu là. Voilà, ça, ça me fait... La mer, un peu bleu. Bon, c'est pas la mer de Schiller. C'est la mer. Et cette fois-ci, bah, je vais choisir mon focus. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il est où mon focus? Donc, c'est ce bateau. Donc, du coup, bah, je vais le mettre
dans la mer. Donc je vais tamponner ici. Donc cette fois-ci, je vais prendre une couleur plus pétante. Puisque c'est lui mon focus. Ben, je vais me faire un petit bateau. Un petit bateau rouge parce que le rouge c'est bien utilisé aussi. Donc Catherine elle est du nord-ouest. Ça, le nord-ouest, donc c'est la mer aussi, non? Nord-ouest, t'as la mer. Moi j'étais du nord-nord, quoi, tu vois. Moi je suis de Maubeuge. Au nord-nord. Ah, toi aussi t'es du nord? Et oui, donc j'habite en Savoie, mais je suis du Nord. Une vraie ch'ti. Alors, j'enlève un peu l'encre sur les côtés, parce que j'ai pas encore envie d'avoir du rouge là au beau milieu de... Voilà, donc lui, mon bateau, que j'ai décidé qui serait focus, je vais le mettre en couleur rouge. Hop, et je viens le tamponner. Comme ceci. Donc là, lui, il pète la forme, hein, c'est de lui dire. Ah oui, l'île. Bon, ma fille a resté pas mal de temps aussi sur l'île. On allait à Euralille faire les courses. À côté de la guerre. Du coup, je suis perturbée, moi. Ah, voilà. Alors, du coup, mon focus, je l'ai choisi. Donc, je prends mon rond. Avec toujours mon petit washi. Et comme c'est lui, Monsieur Focus. Ah, Rikini, oh, c'est pas possible, Corinne. Moi, j'habitais Rousy quand j'habitais dans le Nord. Oh, Rikini. Oh oui, je connais bien. Rousy, Asvan, Rikini. J'étais Boussois, j'étais au majorette de Boussois, moi, pendant des années. J'étais... Oh, vous me faites rappeler le temps passé, hein. J'étais... troupe des majorettes de Boussois et c'était moi l'entraîneuse. Enfin, l'entraîneuse, la capitaine, comme on disait. Ah oui, Rikini, alors toi, t'es de ma quoi, hein. Ça, on peut dire que toi, t'es de ma, quoi. Oh, c'est fou, ça. Parce que Rikini, c'est petit, quand même, hein. Rousy aussi. Ah oh, ouais, c'est rigolo. C'est toute ma jeunesse. Je suis arrivée ici en Savoie, j'avais quand même 43 ans, hein, ça fait 15 ans. Je suis pas de première jeunesse non plus. Mais bon, voilà quoi, on n'oublie pas, hein, c'est nos racines. Donc après, donc quand vous avez votre focus comme ça, et ben on va venir le coller. Mais avant de le coller, on va se mettre un petit vœu. Alors qu'est-ce que j'ai comme vœu? Contre vents et marées, je serai à tes côtés. Est-ce que c'est pas un beau vœu, ça, quand même? Oh, quand même. C'est... Vous envoyez ça à quelqu'un, il est ravi, quoi. Bon, maintenant, après, il faut... Il suffit pas de le dire, hein. Il faut le faire, hein. Contre vents et marées, est-ce que c'est ça? Que l'espoir. Non, que l'espoir, on n'aime pas trop. Ben, il est où, l'autre, alors? Il doit être là. Ah, ben, c'est celui qui est rouge. C'est que je l'aime bien, celui-là, la preuve. Donc, je vais tamponner mon petit tamponnage. Ah bah oui, Corinne. Moi, j'ai... Attends, moi, j'ai... je suis née en 63. J'ai 58 ans. Corinne. Oh, l'occasion, on est à l'école ensemble. Moi, après, je suis allée au Coutel, à Maubeuge. Quand j'étais au collège. Puisque tous les enfants de Rousy vont au Coutel. Mais je crois que les enfants de Rikini, eux, vont plutôt sur Boussois à l'école. Je pense. Ce serait rigolo si un jour je trouvais comme ça, au détour d'un truc de scrap, des gens qui ont été à l'école avec moi ou qui m'ont connue quand j'étais plus jeune. Bah, de toute façon, on est encore jeune à notre âge, hein. On va pas exagérer quand même, hein. Mais bon. On va dire qu'on a des heures de vol, mais on est encore jeune. On n'est pas encore à la retraite. Alors, lui, monsieur le vœu, là, je vais le mettre par là. Hop.
Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Hein. Alors celle-ci, je la fais vite fait. Je pense que je la peaufinerai après, puis je vous la posterai. Mais voilà, c'était pour bien vous expliquer les histoires de focus. Donc je mettrai certainement un petit nœud. Donc cette fois-ci, je le mettrai en bas et le petit nœud, je le mettrai par là. Vous voyez, ça dépend de notre... Ah oui, c'est Jemont. Ah oui, oui. Oui, ceux qui vont là, ils vont à Jemont. D'accord. Jemont, moi je connais bien aussi. Jemont. En fait, quand j'étais majorette, on allait faire des concours à Jemont, des concours de majorette. Voilà, donc ça, ben, je vous le posais ben, comme d'habitude, hein, sur l'autre ici, puis sur l'autre ici. Mais celle-ci, je vous la terminerai. Voilà, ben, écoutez les filles, je vais vous faire des petits coucous. Voilà, ben, j'étais bien contente de ce live, tiens, parce que Corinne, il faudrait qu'on se mette. Et demande-moi en ami, là, qu'on puisse discuter ensemble de notre coin. Sur mon profil Prisca Benedetti. Peut-être tu y es déjà, hein, mais ça ne me dit rien. Voilà, donc ça c'est tout, tout ce qu'on peut faire. Alors, j'attends vos petites créations, les filles. Alors, quand vous aurez fait vos petites choses, eh bien, vous me les posterez en dessous de la vidéo. Comme ça, tout le monde va pouvoir profiter un peu de vos idées. Mais je pense qu'avec ces histoires de focus, on peut faire vraiment de jolies choses. Et puis, voilà, ça change un petit peu. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi cet après-midi. J'espère que tout le monde m'a bien entendu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Là, ça va être la sortie du catalogue. Sauf que moi, je vais m'en aller en vacances aussi. Donc, bon, ben, vous verrez des petits posts au sujet du catalogue sur ma page. Et puis, pour la prochaine vidéo, ben, ce sera certainement après le 15 août, le prochain événement. J'ai dans l'idée de faire un petit mini la prochaine fois, qu'on se fasse un petit mini tous ensemble. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Je vous dis merci encore d'être venu. Et ben, à bientôt pour un autre tuto. Et pour celles qui vont en vacances, bonnes vacances. Au revoir.